Donc voilà, Christophe Honoré, c'est pas la première fois que vous venez à la boutique. Vous étiez venu il y a un an, fin 2018, pour plaire, aimer et courir vite. Voilà, on avait échangé sur le film, mais pas que, parce que je fais choisir aussi à l'invité quelques DVD, une petite sélection de DVD pour faire le lien avec ce qu'on a dans les bacs et donc parler de l'univers un peu cinéphilique de l'invité. Donc c'est ce que j'ai fait avec vous. Je fais un petit rappel quand même parce que j'imagine toujours qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'invité. Donc voilà, ce sera une bio que vous avez dû entendre 1000 fois. Voilà, vous êtes né plutôt dans l'ouest de la France, en Bretagne. Vous faites des études de lettres à Rennes et une école de cinéma à Rennes. On avait fait la dernière fois, lors de la dernière rencontre, on avait parlé de toute, on va pas le refaire, mais de toute cette adolescence un peu, de cette éducation sentimentale, cinéphilique un peu, ce que vous avez découvert, les premiers émois, je sais pas, mais toute cette activité qui a été une activité aussi de cinéphile et de critique de cinéma, ce qui vous a amené à Paris. Vous avez écrit dans les cahiers du cinéma, vous aviez votre petite vue, une chronique, et à un moment vous êtes passé à la réalisation. Je vais égrener votre filmographie en disant aussi que vous êtes écrivain, parce que vous faites énormément de choses, écrivain, romans pour jeunes publics, vous êtes metteur en scène de théâtre. Donc vous faites beaucoup de choses, dont des films. Donc petit rappel de votre cinéphilie, 2002, 17 fois Cécile Cassard avec Béatrice Dalle, 2004, Ma mère avec Isabelle Huppert et je comprends toujours Louis Garrel. Donc vous repreniez, vous adaptiez un roman de Georges Bataille. 2006, Dans Paris avec Romain Duris et Louis Garrel. 2007, Les chansons d'amour. 2008, La belle personne. 2009, Non, ma fille, tu n'iras pas danser avec déjà Chiara Mastroianni. 2010, Homme au bain. 2011, Les bien-aimés. 2014, Métamorphose. 2016, Les malheurs de Sophie. 2018, donc, on vous recevait à ce moment-là, Plaire, aimer et courir vite avec Vincent Lacoste et Bruno Denis Podalides. Denis Podalides, je fais le même la dernière fois, et Pierre Delatonchamp. Et là, 2019, donc 2012, avec Vincent Lacoste, Chiara Mastroianni, Camille Cotin, et j'oublie Carole Bouquet, et j'oublie Benjamin Biolay. Voilà. Voilà, on va parler de ce film-là, et peut-être, je pars peut-être de la fin et des remerciements qu'il y a dans le générique de fin du film. Alors, je trouvais que c'était une bonne porte d'entrée. Donc, remerciements, parmi lesquels on trouve Woody Allen, Ingmar Bergman, Bertrand Blier, Cary Grant, Sacha Guitry, Léo McCarey, Philippe Roth. Est-ce qu'on peut les prendre un par un et s'amuser à ce petit jeu-là? De se dire, tiens, pourquoi pour ce film-là, ou c'est peut-être pour tous les films? Oui, ça fait un moment que dans mes remerciements, je mêle à la fois les remerciements amicaux avec des remerciements qui concernent plus des œuvres, que ce soit des romans ou des films, ou même des fois, c'est des photographes qui ont... sur lesquels je me suis un peu appuyé pour construire le projet. Et donc c'est étrange, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'on a changé la manière de faire le générique, mais on en a beaucoup plus parlé sur ce film-là, comme si soudain les gens l'avaient remarqué, ou alors les autres films étaient ennuyeux et les gens partaient avant la fin du générique. Mais c'est quelque chose que je fais depuis 3-4 films, 4-5 films même. Je ne sais pas, c'est une manière pour moi de je sais pas, je me sens un peu plus loyal en faisant ça, en tout cas en ayant volé des bouts de dialogue dans des romans ou sur des découpages dans des films. Et puis après, des fois, tout simplement sur l'esprit. C'est vrai que quelqu'un comme Cary Grant, c'est vrai qu'il était... C'était comme ça, une espèce d'idéal qui correspondait assez bien au film. Je me disais, si le film pouvait ressembler un tout petit peu à Cary Grant, ce serait bien. Et puis c'était aussi en fait
Je pense à Léo Macaret ou même à Woody Allen. En fait, c'est aussi des références qu'on a beaucoup partagées avec les comédiens en amont du tournage pour essayer comme ça de trouver une espèce de registre de jeu qui soit, qui assume en tout cas une espèce de plaisir de jeu. On pourrait dire un jeu ironique, mais je ne crois pas que ce soit vraiment un jeu ironique. C'est plus comme ça cette idée de jouer en n'étant jamais dupe qu'on est en train de jouer. Et comme c'était ce que j'avais en tête, enfin ce vers quoi je voulais les amener, on a revu beaucoup de ça. Et puis après, je ne sais plus qui vous a fait... Bah Bergman, oui, sur le couple, évidemment, vous ne pouvez pas vous empêcher de revoir. C'est de la vie conjugale. Voilà, Bertrand Blier parce que dans la forme non mais c'était pas un clin d'œil c'est ah non non pour moi vrai, c'est pas un hommage mais bah, le film en tout cas lui il y a quelque chose de la forme et de la tenue du film oui le côté rêve éveillé en fait qui a été en tout cas la force de beaucoup de films de Blier évidemment Buffet froid mais aussi dans Une soirée ou aussi dans Trop belle pour toi en fait qui sont vraiment des films qui moi ont marqué quand j'étais jeune cinéphile et où là j'avais l'impression en fait que le film lui devait aussi ça et Blier fait partie de ces cinéastes assez mal cotés aujourd'hui en tout cas où il y a une espèce comme ça de considération un petit peu sur son travail alors que je pense que c'est vraiment un cinéaste qui a été enfin qui est assez particulier et précieux dans le cinéma français. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai proposé ce rôle à Carole Bouquet, qui, pour moi, était pour le coup une espèce de citation dans le film même d'une scène dans Trop belle pour toi, en fait. Voilà, où elle... Où justement, dans Trop belle pour toi, ils imaginaient une autre vie à un personnage et où elle se retrouvait elle-même. D'ailleurs, c'était une scène qui était elle-même référence à la terrasse le film italien. Et donc, du coup, il y avait quelque chose comme ça qui circulait entre les films. Et j'aime assez ça quand il y a des dialogues qui s'instaurent entre des films faits à des époques tout à fait différentes. Mais on sent toutes ces influences croisées l'hommage, pas l'hommage, mais le genre, la comédie de remariage, qui est un genre très, très balisé dans le cinéma américain, et en même temps dans le style, parce que l'histoire, pour ceux, alors qui n'a pas vu le film, qui a vu le film ? Voilà. Vous êtes comme à l'école, vous levez la main. Il faut jamais répondre à ce genre de choses. Non, mais ce qu'il y a, c'est que est-ce qu'il faut que je fasse un petit rappel de un petit pitch, quoi. Non, c'est pas ça. Mais est-ce qu'on dévoile le film ou est-ce qu'on le dévoile pas ou est-ce que voilà. Quand vous dites comédie de remariage, c'est vraiment cette idée-là. C'était vraiment partir comme ça d'un couple en... Non, on n'est pas à l'école ici. Mais on a tous le même genre de... On se croit toujours obligé, en fait, de répondre aux gens. Alors que non. Mais oui, en tout cas, le film part vraiment de ça. Et notamment des films de Léo Macaret et de cette idée... Comment un couple qui se sépare a encore des choses à se dire. Et là, c'était vraiment le point de départ de ce film-là, d'avoir une femme qui décide de quitter le domicile conjugal et qui, en même temps, va s'installer juste en face de chez elle, comme si elle voulait avoir une vue plongeante et sur sa vie et sur son histoire d'amour. Et comment, depuis ce point de vue extérieur, en fait... Ce point de vue extérieur se métamorphose en point de vue absolument subjectif, absolument intérieur, puisqu'elle se trouve confrontée soudain à plein de personnages, soit qui surgissent de son passé, soit qui surgissent de son imaginaire et qui viennent l'aider à penser en fait la situation et qui dialogue avec elle. Ouais. Donc on a l'impression aussi qu'on étudie toutes les combinaisons possibles. Il y a cette histoire-là entre des personnages plus jeunes, qu'est-ce que ça aurait été de se rencontrer ou et si, il y a une sorte de chronie comme ça, sentimentale, de se dire, de réflexion qu'on peut avoir sur sa propre vie, et si ma vie avait bifurqué dans telle ou telle direction. Raconter ce film-là à ce moment-là, sur le temps qui passe, sur l'usure des corps aussi, sur l'usure du désir,
C'était important pour vous ou c'est un moment, bah, c'était impérieux comme ça de vouloir le raconter maintenant, ce moment-là de votre vie ou c'est un projet qui sommeille dans les tiroirs comme ça? Pourquoi? Alors, j'ai dit une bêtise. Non, l'usure des corps, bah voilà, parce que j'arrive à un certain âge où l'usure des corps est tout à fait ressentie d'une manière personnelle. Et non, c'est pas du tout un projet auquel je pensais depuis longtemps. Et pour tout dire, en fait, après Plaire, aimer et courir vite, j'ai commencé à développer un autre scénario qui n'avait rien à voir avec ça. Qui était un film plutôt historique. Et qui m'a semblé posséder une forme un peu trop solennelle. Enfin, en tout cas, j'avais envie de je sais pas, j'avais envie en fait d'un film qui peut-être assume un plaisir de cinéma plus simple, plus direct, plus franc. Et donc j'ai bifurqué en cours de route. Ce que je fais assez souvent en même temps. Hein. Je suis assez spécialiste d'annoncer à mon producteur, voilà, on va faire tel film et d'arriver deux mois après en lui donnant un scénario qui n'a rien à voir avec ce que je lui ai raconté. Et donc ce film-là, en fait, il s'est écrit très joyeusement et très rapidement. En même temps, j'étais en train de répéter au théâtre une pièce que j'ai montée l'an passé, enfin non, maintenant il y a 2 ans, on est en 2020, qui s'appelle Les Idoles. Et je pense que le fait comme ça de répéter dans la journée, d'être sur cette scène de théâtre, de travailler avec les comédiens sur un plateau de théâtre, justement avec forcément des registres de jeu, une idée comme ça de l'artifice que le théâtre permet vraiment. Du coup, le soir, en fait, ça m'encourageait à écrire des scènes plus qui échappaient certainement plus au réalisme habituel et où je me permettais comme ça quelque chose d'assez ludique et aussi une langue peut-être qui assumait d'être très écrite. Et donc le film a certainement porté la trace en fait de ce que je vivais à ce moment-là en répétition au théâtre. Et voilà. Donc c'est le film dialoguait un petit peu en tout cas avec ce moment-là. J'ai relevé des citations ou des voilà moi qui me alors non déjà alors le titre du film Chambre 212 qui renvoie à un article du Code civil donc les époux se doivent secours, fidélité, assistance et voilà. Ce qu'ils ne font jamais d'ailleurs voilà, hein, ouais, mais donc malheureusement on peut le dire malheureusement mais ce qu'ils ne font jamais. Et le théâtre et ce décor-là, cette rue-là, en face des Sept Parnassiens, vers Montparnasse, donc ça, c'était aussi... je trouve que ça campe aussi un décor. On est dans un univers, on n'est pas dans une réalité, on est dans une nuit comme ça, un peu sans fin. Parlez-nous de ça, et puis des parties pris formelles aussi, de la lumière, de ces plans-là, ces plongées, tout ça. Bah c'est vrai que ça existait déjà à l'écriture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où alors qu'il y a un principe en même temps très, enfin un motif, j'allais dire plus qu'un principe très, qui a été très parcouru dans l'histoire du cinéma, enfin le côté fenêtre sur cour, pour dire vite, et donc c'est vrai que dès l'écriture, en fait, je me suis aperçu que c'était pas tournable en fait en décor naturel, c'est-à-dire que je pouvais pas essayer comme ça de créer une espèce d'interaction entre deux lieux séparés uniquement par une rue, et que ça voulait dire un tournage en studio. Et moi j'étais je en tant que cinéaste, en fait, je me méfie beaucoup du studio. J'étais plein d'a priori sur le studio, sur l'idée comme ça que le studio faisait des films en pesée, poussiéreux, et que le cinéma c'était d'accueillir toutes les péripéties qui peuvent se passer sur un tournage, les imprévus, le temps, le bruit, etc. Et donc, et que le cinéma studio était du cinéma de papa, on va dire un peu. Enfin, et là, au bout d'un moment, c'est vrai, quand vous faites un certain nombre de films, vous avez envie de vous donner des nouveaux défis.
Et là, c'est intéressant en tant qu'héritier de la nouvelle vague comme ça et d'être assez radical par rapport à ça. Et puis, au bout d'un moment, avoir envie de revenir à des choses qu'on a combattues. C'est pas revenir, mais en tout cas, c'est d'expérimenter. Ouais, c'est d'expérimenter. En même temps, vous remarquerez que... Non, mais c'est pas un reproche. Hein, non, mais je le prends pas comme un reproche. Mais que Truffaut arrive assez vite en studio, que même Godard expérimente aussi le studio. Et je pense qu'il y a guère que Rivette, en fait, qui jusqu'au bout a tourné uniquement en décor naturel. Parce que même la Duchesse de Langeais et tout ça, Romère, en fait, s'est aussi amusé avec le studio. Ouais. Donc... C'est des espèces de défis. Bon, très honnêtement, je ne suis pas sûr que je retournerai en studio très rapidement parce que ce n'était pas une expérience... Enfin, en tout cas, c'est une expérience qui est pesante pour un metteur en scène. À quel niveau ? Bah, c'est très étrange de... Comment dire ça ? Bah, déjà, c'est très étrange d'aller au même lieu tous les jours. Ça vous stimule... pas l'imaginaire de la même manière. Enfin, je veux dire, puis c'est très tranquille, quoi. Enfin, vous voyez, forcément, quand vous êtes dans un studio, une équipe, ça s'installe dans un studio, les loges, machin, les techniciens, tout le monde a son petit coin. Je sais pas comment dire ça. Enfin, il y a quelque chose où vous avez toujours l'impression, quand même, en tant que cinéaste, le matin, qu'il faut réveiller tout le monde, quoi. Genre, on va quand même faire un film, je vous le rappelle, et tout ça. Enfin, ça demande quand même une espèce comme ça. Une mise en danger, quoi. Ouais, c'est dur de remettre une énergie. Et voilà. Après, très honnêtement, pour les comédiens, je crois que c'est très confortable et que du coup, peut-être qu'ils sont plus ouverts. À ce que vous les ameniez peut-être un peu ailleurs, etc. Mais c'est pépère quand même le studio. Il y a quand même quelque chose qui est particulier et qui n'est peut-être pas ce dont je rêve quand je fais un film. Très honnêtement, moi j'aime bien qu'il se passe des choses un peu inhabituelles, même si quand il se passe des choses trop inhabituelles, je suis pas content et que je dis bah c'est pas normal, on m'avait promis ça et je l'ai pas ou ce genre de choses. Enfin la mauvaise foi habituelle des cinéastes, mais là, en studio, en fait, vous ne pouvez pas tellement vous permettre d'avoir de la mauvaise foi puisque tout est prévu et puis tout se passe. Ce qui est juste très agréable avec le studio, c'est que ça vous permet d'avoir d'autres idées que celles que vous avez écrites dans le scénario. Et c'est vrai que dans le scénario, il n'y avait pas, par exemple... À un moment, je le détestais tellement, ce décor, que j'ai dit, on va mettre le feu à la fin. Et donc, du coup, on a fait ces plans où on met le feu et qui sont des plans que j'aime vraiment bien dans le film. C'est... à un moment, je dis, ah, mais quand même, cette chambre toute blanche et tout ça, on aurait envie de la salir, hein, faudrait mettre de la suie. Donc, on a fait ce plan où il y a des espèces de choses qui tombent sur le lit. C'est-à-dire que le studio vous permet quand même d'inventer, pas vraiment des séquences, mais des plans qui soudain sont des plans, je vais dire un mot atroce, bonus, quoi. Enfin, vous savez pas très très bien si vous allez les utiliser au montage ou pas. Mais qui, en tout cas, dans ce genre de film, où l'illusion était quand même était un des principes du récit, en fait, m'ont permis certainement de m'amuser un petit peu. Rien que ce truc de maquette, en fait, c'est assez rigolo, soudain, de dire on va faire la rue de l'ombre en maquette, et puis on va mettre deux personnages l'un en face de l'autre, et jouer sur les échelles, etc. Donc, à la fois, le studio permet quand même un plaisir-là d'invention. Mais c'est vrai que c'est certainement pas ce que le tournage que j'ai préféré, en tout cas en tant que cinéaste. Préparez vos questions si vous en avez. Hein. Je ne vais pas être le seul non plus. Voilà. Donc, vous levez la main et je fais circuler le micro avec grand plaisir. Le casting, le choix de retravailler avec Vincent Lacoste. Chiara Mastroianni, bien évidemment, Benjamin Biolay, c'était la première fois, voilà. Et Camille Cotin aussi, c'est la première fois. Donc c'est déjà à l'écriture, ce sont des visages qui se sont imposés ou ça s'est fait à l'écriture, Vincent et Chiara, oui, j'écrivais pour eux. Bah, Vincent, parce qu'on venait juste de tourner ensemble et que ça s'était bien passé et que j'avais envie de retourner avec lui. Mmh. Enfin, tout simplement, vous voyez, vous passez... On comprend pourquoi. Il y a des choses qui fonctionnent très bien. Oui, et puis Vincent, en fait, il a cette facilité-là, justement, de ce jeu très particulier de comédie américaine, justement. Enfin, moi, c'est quelque chose que je sens très fort chez lui. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir une très grande vérité,
une manière comme ça très simple d'incarner les choses et en même temps il n'est pas du tout embarrassé par des dialogues trop écrits ou des situations un peu insolites. Il rend tout assez vite vrai. Et Chiara, en fait, ça fait longtemps que en fait, je travaillais sur un autre projet d'après une adaptation de roman. Et puis j'ai les droits pour obtenir ce roman en fait ont traîné et donc j'ai fait d'autres films entre temps et donc j'avais vraiment envie de la retrouver et j'ai vraiment écrit le rôle pour elle. Et à partir du moment où vous avez deux personnes avec qui vous avez travaillé, c'est toujours intéressant d'aller chercher des gens très différents pour les compléter. Et c'est comme ça que Camille est arrivée et aussi Benjamin. Qui ont des registres de jeu très différents de Chiara Mastroianni et de Vincent Lacoste. Ils n'ont pas du tout le même parcours. Benjamin, malgré tout, a quand même si maintenant ça fait un certain nombre de films qu'il a tourné, il a quand même une manière d'envisager le jeu qui est particulière et qui est liée à son statut de chanteur. Et puis Camille, en fait, qui a quand même beaucoup travaillé dans des registres de vraies comédies, enfin avec une certaine efficacité, que ce soit à la télé ou dans des comédies assez populaires. Là, c'est un registre, oui. Beaucoup voilà, plus, c'est aussi plus mélancolique et c'était intéressant d'aller la chercher pour essayer justement de filmer chez elle quelque chose qui n'avait pas encore été tellement filmé en fait. Vous avez dû la freiner ou l'encourager? Comment ça s'est passé au niveau de la direction de... La freiner sur... Dans quelque chose qu'elle aurait eu envie de surjouer ou qu'elle... je sais pas... Qu'elle aurait eu envie de surjouer? Non, vous savez, les actrices, elles préfèrent pas faire rire que faire rire, hein, en général, même les actrices comiques. Mm-hmm. Enfin, donc, elles sont jamais embarrassées par quelque chose qui serait un peu... je dis ça, mélancolique, en tout cas. Non, j'ai pas à souvenir que Camille m'ait dit ah, « j'aimerais bien être plus drôle dans le film ». Après, c'est réussir en fait à accorder ce quatuor, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que ça puisse répondre dans les registres de jeu. Et ça, c'est toujours un pari quand même, parce que vous, même si les gens sont très agréables et que ça se passe bien avec eux, etc., vous n'êtes jamais sûr quand même qu'ils vont réussir à jouer ensemble. Et là, il faut avouer que le studio peut aider, parce que les gens ne se quittent pas et qu'il y a une manière de s'accorder peut-être qui se fait, qui est plus paisible, on va dire, que quand on tourne en décor naturel où il y a plein d'autres contraintes qui nous tombent dessus et où pour les acteurs, en fait, ils sont un peu moins tranquilles. Non, mais en plus, c'est un vrai pari pour ce film-là où il y a une sorte de combinatoire comme ça des couples. Et de se dire, A va aller avec B, et avec C, et avec D, et vice-versa. Je vous ai perdu dans votre démonstration. Non, mais voilà. Non, mais il faut que tout le monde puisse aller, pas avec tout le monde, mais presque. Et je trouve que ça fait énormément de portes d'entrée. J'arrive pas à trancher, à me dire, parce que ça fonctionne très bien avec certains couples. Et avec d'autres, on se pose la question, on est plus, voilà, on a peut-être un peu plus de réserve. Et le style aussi vient là aussi avec énormément de portes d'entrée. Donc ça fait un objet assez singulier en fait. Où je crois que la force du film est aussi liée au dialogue, à l'écriture. Je pense est essentielle et vraiment charpente. C'est vraiment l'architecture quoi aussi du film. Je trouve que il y a une force des dialogues quand même qui tient. En tout cas, il y a une langue commune à ces personnages, c'est qu'ils parlent tous de la même manière. Mais ça, moi, je sais que j'aime plutôt bien ça dans les films. Il y a des cinéastes et des scénaristes qui, au contraire, se servent du dialogue pour différencier les personnages. Alors, chaque personnage ne parle pas comme un autre personnage. Et on peut, des fois, vouloir faire passer une information sur le milieu social ou je sais pas, même quelque chose de l'ordre de plus intérieur, de plus psychologique, dans la manière dont chacun des personnages parle. Moi, je sais que dans mes films, au contraire, j'aime bien cette idée qu'ils aient toujours tous la même langue. Parce que je trouve que ça donne l'identité du film, en fait. Et je crois pas tellement à une sorte de réalisme du personnage qui parlerait différemment de l'autre personnage, etc. Enfin, je trouve que c'est toujours un réalisme qui, finalement, nous amène assez dans des lieux communs. Vous voyez que les gens qui viendraient d'un milieu populaire parlent d'une certaine manière, que les jeunes parleraient d'une certaine manière, que les vieux, au contraire, parleraient d'une autre manière. Or, on sait très, très bien que ces lieux communs, ils sont assez...
Vous faites un drôle de geste. Mais vous, sont assez. Non, mais je vous embête. sont assez. Enfin, c'est des lieux communs qui enferment souvent les films, en fait. Et ça finit par faire d'ailleurs des écritures de téléfilms. Vous voyez, c'est vraiment à la télé, par exemple, c'est le cas. Les flics parlent toujours comme des flics, les malfrats comme des malfrats, les jeunes comme des jeunes et les retraités comme des retraités. Mmh. Et or, on sait très bien, nous, dans la vie, que ça circule d'une manière beaucoup plus aléatoire et souvent d'une manière beaucoup plus imprévue. Mmh. Et donc là, oui, c'est vrai que c'est des. Il y a un texte qui est assez. Enfin, en tout cas, une langue qui est un peu particulière et qui se permet de s'entendre, en fait. Mmh, c'est-à-dire que c'est des gens qui parfois s'écoutent un peu parler. Mmh. Vincent Roman, qu'est-ce que tu fais là ? Amolia, c'est toi pour le film. Tu devrais pas être laissé, il faut partir, hein. Non, je veux te voir, j'ai besoin de parler. J'ai une capitale chose à te dire. Mais t'aurais dû m'appeler, hein. Mais j'ai laissé 200 messages sur le téléphone. Je vais monter, c'est quoi ton chiffre de chambre ? Non. Je vais faire ça maintenant. Attends, Val, sérieusement, il faut que tu partes, là. Chambre 212, monsieur. Gracias. Je me souviens, 29 juillet 2007, le jour de la mort de Michel Serrault. T'es dans la chambre 212, ça évoque rien pour toi ? Non. Et madame est professeure en fac de droit. Article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Non, pas vous. Vous pouvez pas me faire l'accent sur la fidélité mutuelle, hein. Vous êtes bien tous dégueulasses. Et pourquoi non ? Tu avais su que t'étais marié. Comment tu peux oser ramener ce garçon ici, franchement? Mais ce garçon a une chose importante à me dire, c'est peut-être au sujet de ses études. Bah, je suis aussi et avant tout son professeur. Son avenir est en jeu, alors s'il vous plaît, calmez-vous, messieurs. Richard, je te demande de faire confiance. L'ascenseur arrive. Toi, tu restes avec elle. Il n'est pas question que tu fléchisses, c'est clair? Oula, détendez-vous. Pas vous, mettez-vous de l'autre côté. Pierre. Ouais. Viens par ici. C'est ta cousine à moitié. Pardon. La fille. Enchantée, je m'appelle Léon Jones. Je tenais juste à vous dire que, avec votre femme, ça ne s'est pas fait. J'aurais bien voulu, je l'admets, mais pas à trois. Le sexe à trois, je sais jamais où mettre. Mais allez, on en parlera plus tard. Laissez faire, d'accord ? Maria ! Entre, Sombal. Qu'est-ce qu'il en a avec toi, là ? Ne commençons pas, Sombal. Ce garçon est un ami, c'est un proche, comme quelqu'un de ma famille, disons. Il va veiller sur nous, que nous ne fassions pas de bêtises. C'est tout. Je peux parler devant lui ? Ah, tout à fait. D'ailleurs, il est là pour ça, hein, qu'on parle devant lui. J'ai besoin de toi, Maria. Je ne veux pas te quitter. Il faut te recommencer à zéro. Il n'en est pas question, mon vieux. Non, mais attendez, laissez-lui au moins une chance de plaider sa cause. Maria, tu es la femme de ma vie. J'arrête pas de pleurer depuis ton départ. Je ne peux pas me passer de toi, c'est trop tard. J'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de tomber une balle pareille. Je ne pensais même pas. Mais j'ai besoin de te sentir, j'ai besoin de te toucher. Si je t'embrasse pas, je vais mourir. Non mais vous êtes de très bonne constitution et vous ne craignez rien, puis il faut partir. Je suis plein d'un désir fou de toi, plein de la vie prochaine ensemble, plein de beaux projets, j'ai envie d'écrire ton nom sur le sable, de caresser le bas de ton dos et de montrer les baleines. Oui, mais non, ce sera non, désolé. C'est Richard, c'est mon mari. C'est ça ton mari? Ah, c'est très bien. C'est ton mari ou c'est un deuxième amant de tes élèves? Maria, réponds-moi! Mais quoi, tu veux m'éclater l'air aussi, vas-y, hein! Mais tu es combien d'hommes dans ta vie? Beaucoup. Je suis beaucoup de personnes dans ma vie. À moi seule, je suis un nombre d'hommes dont tu ne peux avoir idée. Maintenant, j'ai envie que tu me laisses m'occuper de mon mari. Laisse-moi, je te fais signe bientôt. De toute façon, on se verra au partiel de mars. Quand on vous dit non, monsieur électorat, c'est non. Oh.
C'était ce qui était très agréable dans ce film, c'est-à-dire c'est je pense pas du tout que le film soit un rêve. Enfin, c'est pas du tout. On n'est pas dans. Mais par contre, on est quand même vraiment dans la tête d'un personnage. Et donc, je sais pas comment dire ça. En fait, on peut se permettre d'être beaucoup plus expressionniste que dans un film habituel. Donc là, c'est vrai que c'était assez amusant, on va dire, de rythmer la scène et par des sons comme ça exagérés ou enfin voilà de s'amuser tout le temps en fait à bien marquer que qu'on est dans les pensées de cette femme et non pas dans la vérité des situations décrites et donc le film il a été construit comme ça au moment de du montage et du montage son. Ça a été un film qui a été très enfin, où le temps du montage image a été très rapide et on s'est où tout s'est vraiment imbriqué après d'une manière assez inattendue en fait pour moi et que ce soit dans le choix des chansons ou dans le fait de s'amuser justement par moment à tordre un peu la réalité et bon particulièrement cette scène là qui n'a pas grand chose de réaliste. Mais parler des chansons ou du côté chanté du film, donc le film est ponctué comme ça de moments chantés ou de sorte de dérives comme ça où la scène devient chanson quoi presque. Peut-être nous parler de ça et du choix. Comment est-ce que ça s'est Je pensais très honnêtement, normalement, quand je l'avais écrit, qu'il y aurait que des chansons plutôt brésiliennes. D'accord. Dans ce film et ça ne marchait absolument pas et donc après c'est vraiment quand j'ai commencé à trouver les standards de Catarina Valente etc que là j'ai trouvé en fait quelque chose qui me semblait juste sur le ton du film et donc du coup cette idée un peu du crooner Aznavour finalement répond aussi à ça dans l'ouverture du film. Bon, Aznavour était là dès le scénario puisque un des personnages prétend ressembler à Aznavour qui joue la volonté qu'on a vu là avec sa formidable veste à imprimer Léopard ouais. Et donc en fait le film après a trouvé justement dans ses standards souvent américains et qui racontent la plupart du temps des histoires d'amour malheureuses en fait a trouvé un l'écho formel en tout cas entre ces chansons là et la mise en scène du film enfin il y avait une association là qui me semblait être relativement harmonieuse et puis il y a un des couples aussi du film Vincent Lacoste, Camille Cotin qui se connaissent parce que lui était voilà il y a un morceau de musique aussi de Scarlatti qui est vraiment important dans le récit et ouais. Et dans la forme après du film, ouais. Vos questions, des questions, si on a. Oui. Si, il faut dire. En fait, c'est sur le 212. En fait, c'est aussi la traduction numérique du Cunilingus. Waouh, 212. Ouais, au risque de passer pour un obsédé, mais en fait. Vous ne risquez rien, on est entre nous. Il y a même une rappeuse américaine qui a fait une chanson qui s'appelle 212, Azealia Banks, et en fait, c'est tout, la langue qui fait le 1 et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça. Ah oui. C'est sur la chambre de 212, étant donné. Voilà. Ça se passe avec tous ses amants et sa femme, et du coup, il y a aussi ce truc du plaisir féminin, de ceux qui savent bien le faire ou moins bien. Alors très honnêtement, on n'y a pas pensé. Votre inconscient est fabuleux. Certainement. Non, après, on s'est vraiment dit qu'il y avait deux et deux de chaque côté avec la rue au milieu. Vous voyez, nous, on s'était arrêté à quelque chose d'un peu topographique comme ça. Mais c'est ça qui est agréable avec les chiffres, en fait. C'est qu'ils sont toujours mystérieux et ils ont toujours surtout des significations qui nous échappent. Et là, très honnêtement, jamais je n'ai pensé que 212 était de l'ordre du plaisir féminin. Voilà. Mais le film, pendant longtemps, ne s'est pas du tout appelé Chambre 212. Il a eu plein de titres, je m'en souviens même plus trop. Je me retourne vers quelqu'un de la production. Il y avait un truc sur Scarlatti. Musique de chambre pendant longtemps. Musique de chambre. On n'était pas loin d'un truc un peu.
J'ai de plus en plus de mal avec les titres, en fait. Enfin, en tout cas, je les remets très souvent en cause. Alors qu'avant, j'étais toujours très assuré sur mes titres, même s'ils étaient très mauvais. Genre, Non, ma fille, qui a quand même un très mauvais titre. J'en étais convaincu assez vite. Et Plaire, aimer et courir vite, c'est pareil, on a changé beaucoup, en fait. Un beau titre, c'est de ma scène. Oui, mais c'est pas. Enfin, pour être très honnête, le premier titre, c'était Plaire, aimer et baiser vite. Ah oui, voilà. C'était non, ça. Plaire, baiser et. Ouais, voilà. Plaire, baiser et courir vite. Qui n'est pas passé. Qui n'est pas tellement passé, qui passait pourtant auprès de. Non, mais je m'en suis rendu compte, c'est quand les gens de la régie, vous savez, qui bloquent les rues, etc., les gens qui regardent un tournage, ils demandent toujours, mais ça s'appelle comment voilà. Et ils n'arrivaient jamais à dire. Et donc, je me suis dit, non, ça veut dire que ça ne va pas. Il faut le changer, ce titre. Mais je me souviens que je voulais absolument pas remettre le mot aimé dans un de mes films, parce qu'il y avait les chansons d'amour, les bien-aimés. Je me suis dit, ah, c'est déjà hyper d'amour. Sentimental et tout ça. Il faut. Je vais t'étiqueter après. Et voilà. Et finalement. Donc, Chambre 212, non, je vous avoue qu'on n'avait pas pensé à ça. Maintenant, j'en suis content et je pourrais le revendiquer, bien sûr, devant une autre assemblée. Où est-ce qu'a été tournée la scène avec Carl Bouquet là? Où est cette maison sublime C'est sur la côte belge, puisqu'il y avait un coproducteur belge et que donc il a fallu tourner en Belgique. C'est plus haut que le Touquet. Ouais, voilà, c'est vraiment en Belgique. Et alors, je suis un peu nul en géographie belge et je me souviens même plus du nom de la ville. Mais c'est très particulier parce qu'en fait, la côte belge, elle ressemble vraiment à. Du côté, dans le sud de la France, c'est-à-dire que c'est que des immeubles, et il y a très très peu de petites maisons isolées. Vraiment, cette maison, il fallait la filmer de telle manière pour éviter les grandes barres d'immeubles qui étaient de chaque côté. Et elle était, on a eu du mal à trouver une maison isolée sur cette côte. Qui était à, je sais plus. Question. Bonsoir. On dit souvent qu'un film est réussi quand il y a quelque chose qui en reste. Et généralement, c'est le concept d'image rémanente. Cette image rémanente, vous me l'avez donnée. C'est le moment où Benjamin Biolay est devant la chambre avec le café. Je ne sais pas si vous voyez, un espèce de clair-obscur un peu caravagiste. Mm-hmm. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est Honoré qui fait l'image ou Honoré valide seulement l'image? Et si Honoré fait l'image... Alors déjà, jamais je me dis Honoré de fait. Je rigole, je vous embête. C'est histoire de mettre un peu de forme dans ce que je dis. Ouais. Mais du coup, comment vous travaillez l'image? Et est-ce que, du coup, parce qu'on a parlé de vos inspirations cinématographiques, littéraires aussi, est-ce que vous avez une inspiration picturale pour la composition? Surtout là, vu que c'est du studio, l'image est travaillée à 100%. Comment vous fonctionnez? Alors là, en fait, je travaille avec Rémi Chauvrin, le chef opérateur, qui était mon chef opérateur de mon premier film, 17 fois, qui était aussi le chef opérateur de Plaire et des chansons d'amour. On n'a pas fait tous nos films ensemble, voilà. Mais on se connaît très, très bien avec Rémi. Et donc, oui, en amont, au moment de la préparation du film, en fait, je partage ce que j'appelle un dossier artistique alors qui concerne beaucoup l'image, mais qui concerne aussi la déco, qui concerne aussi un peu le stylisme, etc. Et où il y a des références de cadre, des références de lumière très précises, en fait, et qui... en termes à la fois de couleurs, de teintes, enfin, où les choses sont assez précises. Ce qui est drôle, c'est que donc, là, vous me citez en fait un plan, on est d'accord, hein, c'est après la dispute du début entre Chiara et Benjamin. Ça, c'est un des trucs qui est agréable en studio. C'est la première fois que je retourne une scène trois fois. D'habitude, moi, j'ai pas tellement l'occasion parce qu'on est en décor naturel. Vous ratez une scène, vous revenez pas dans le décor, quoi. Après, voilà. Là, en studio, quand vous voyez vos rushs, vous avez quand même toujours la tentation de vous dire, bon, on pourrait refaire. Et on n'était absolument pas content avec Rémi, en fait, de la lumière de cette scène qu'on a mis très, très longtemps à trouver. Et où je me souviens très, très bien avoir fini par dire à Rémi, éteins tout. Et où on a vraiment éteint énormément, ce qui fait que les personnages sont effectivement plus silhouettes devant les murs qui étaient assez clairs, plutôt qu'éclairés. Ce qui n'allait pas forcément, en fait, normalement, avec le sens des répliques, etc., mais qui était pour nous une manière de filmer cet appartement. Cet appartement, mais... Bon, après, c'est de l'anecdote, hein, c'est pas très intéressant, mais en fait, comme on était en studio, donc c'est une construction, etc., et il y a eu beaucoup de retard
dans le studio, c'est-à-dire que normalement on devait avoir le décor à peu près une semaine avant de tourner et on devait justement pouvoir envisager la lumière, les cadres, etc. avec le chef-op, commencer à essayer de chercher. Et en fait on a eu vraiment le studio le jour du tournage, et notamment dans cet appartement, et avec Rémi on a commencé à éclairer cet appartement et on s'est aperçu que c'était atroce, qu'il fallait surtout pas l'éclairer comme on l'avait imaginé, que ça marchait pas. Non pas que le décor était mal fait, etc., mais juste ça ne... c'était pas intéressant. Et on a mis plusieurs jours à savoir comment filmer cet appartement. Et on a fini même par faire une scène où moi je me suis vraiment énervé parce que je trouvais ça trop moche, quoi, et où je lui ai dit vraiment de tout éteindre. C'est la scène où Camille Cotin arrive en fait la première fois et où Benjamin Biolay lui ouvre la porte et il dit il y a du bazar, etc. Et il traverse un couloir. Et là, j'ai tellement fait tout éteindre qu'on ne voit plus rien. Très honnêtement, il y a quelques plans qui sont des plans techniquement pas rattrapables. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça nous a mis une grande fébrilité avec Rémi. Et ça fait partie en fait des choses qui arrivent sur tous les films. Enfin, sur tous les films, il y a des séquences que... Vous avez imaginé que quelque chose allait fonctionner en lumière, mais ça peut être des fois en décor ou ça peut être sur le découpage. Et puis non, vous vous trompez. En fait, c'est raté. Voilà. Alors après, moi, j'assume assez bien ça. J'aime bien l'idée que les films sont pas parfaits et qu'il y a des séquences plus réussies que d'autres et que assez étrangement, en fait. C'est très très rare finalement qu'un spectateur arrive à retenir vous voyez, quelque chose qui ne soit pas d'une impression d'ensemble sur un film. Il y a des séquences qui nous touchent comme ça, quelques plans qui peuvent... Mais malgré tout, il y a quelque chose de cinéma qui fait que cette imperfection-là, en fait, elle finit par rendre souvent... je ne sais pas comment dire ça, en fait. Elle fabrique plus de cinéma qu'elle n'en retire. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a quelque chose comme si la vie, soudain, en fait, s'engouffrait un peu dans un film. Et d'ailleurs, c'est assez terrible. On le voit, bah, pas tant sur les films français, parce que les films français, on a rarement l'économie pour refaire les séquences. Mais vous le voyez sur certains films américains, par exemple. Notamment des films américains de grands auteurs, j'allais dire, mais qui ont l'industrie derrière eux pour pouvoir refaire... voilà. Où soudain, il y a une espèce de perfection de chaque plan en fait qui vous met à distance en fait où il y a une espèce de vernis en fait sur l'ensemble des séquences qui finit par ne plus faire cinéma et un des problèmes du numérique, enfin moi que je trouve qui est un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on peut à peu près tout rattraper. Et que si vous voyez la moyenne, même dans les films français, la moyenne esthétique en fait, des films français, c'est atroce de dire la moyenne esthétique des films français à une semaine des Césars, quelle honte. Pour le coup, le niveau baisse pas par rapport à... Vous voyez ce que je veux dire ? Le niveau, il a élevé, quoi. Les films français, même les comédies très populaires où il n'y a pas grand monde aux manettes... C'est plutôt très bien filmé, assez bien éclairé, etc. Parce que le numérique permet d'à peu près tout rattraper. Mais ça lisse aussi énormément. Et très honnêtement, notamment sur les films américains, vous avez l'impression que c'est le même chef-op qui est aux commandes d'à peu près tous les films. Alors, ça vous le fait encore plus si vous regardez Netflix, où là, carrément, vous avez l'impression qu'il y a une... Je sais pas comment dire ça, qui a un cahier des charges qui fait que tout est filmé exactement de la même manière, avec les mêmes rapports d'échelle de plan. On passe, les gros plans sont toujours exactement à la même distance. Et c'est vrai que c'est assez dur en tant que cinéaste d'échapper à ça, parce que forcément, votre goût, il est très influencé par ce que vous voyez, et il est forcément asservi aussi à tous les films que vous voyez dans une année. Et donc, soit vous fonctionnez uniquement en réaction, un petit peu, en disant bah, « je ne vais pas faire comme les autres, ça peut donner des choses intéressantes, mais des fois, non. » Soit au contraire, vous noyez en fait dans une espèce de manière commune de faire des films. Et avec Rémi, je sais que ce film-là, par exemple, je crois vraiment, et je trouve que c'est la force de Rémi dans le film,
il est vraiment hors mode. Il ne correspond pas en fait à la mode dominante aujourd'hui, ni dans les couleurs, ni dans les rapports de contraste, ni dans les qu'on trouve dans beaucoup de films français. Et ce qui peut lui donner un caractère un peu désuet, voire un peu nostalgique, mais il fait assez peu référence en fait à l'image dominante d'aujourd'hui. Et pourtant, je trouve que c'est, enfin, en tout cas, moi, je sais qu'en tant que cinéaste, je suis très vigilant là-dessus, parce que c'est une manière. Oui, ça donne une identité. Ça donne une réelle identité pour moi. C'est justement ça qui fait que c'est intéressant quand on voit les couleurs désuètes. Pour moi, c'est pas désuet. Enfin, chacun entretient un discours et un dialogue avec l'image. Or, à partir du moment où on a effectivement Netflix, moi, j'appelle ça une diarrhée esthétique. Bah, en tout cas, c'est... Non, mais on a un truc qui... Où elle est l'émotion, l'imperfection dont quand tu parlais du plan avec Benjamin, avec Violet qui arrivait, avec le plateau, etc. Mais ça crée aussi le relief, et c'est vrai que ça se noie après avec les autres plans avant et après, mais l'ensemble, moi, enfin, je l'ai vu très récemment, parce que je l'ai vu ce matin. J'ai eu beaucoup d'émotions, ça m'a bouleversé, parce que ça fait appel à plein aussi de références, mais à la fois, c'est un homme qui réalise ça. Enfin, c'est le travail d'une équipe, évidemment, mais c'est une personnalité. C'est là où il y a vraiment du plaisir et du film français et avec le bleu par exemple avec Cotin, enfin j'ai trouvé ça génial. Le travail sur les couleurs, le travail sur la lumière, le travail sur le studio, les plongées. Oui, bah c'est sûr que le studio vous permet de contrôler beaucoup plus forcément une espèce de direction artistique que vous êtes fixé au début, alors que souvent dans les films où, quand vous êtes en décor naturel. Bah, à un moment, vous êtes coincé parce que vous pouvez pas repeindre complètement une façade devant laquelle vont passer un personnage et que. Mais en tout cas, d'échapper à une image dominante, mais et particulière. Après, vous voyez, par exemple, si vous pensez au film avant l'arrivée des Benex, de Besson et tout ça, les films de la fin des années 80, les films Giscard, un peu, qui avaient tout ce même vernis, un peu, que moi j'adorais, en même temps un peu bleu, ocre, mais qu'on retrouvait aussi bien chez Bresson que dans les films de Pierre Granier-Defer, que dans certains films de Demy, que chez les Sautet. C'est-à-dire, chaque époque, de toute façon, impose une image standard. Et dans une époque qui est quand même saturée d'images aussi, donc j'ai l'impression qu'elle est aussi différente quand même. Elle est différente, mais là, vous voyez, par exemple, il y a un retour du 80, d'un style, on va dire un peu, comment dire ça gentiment, post-Kenneth Anger, vous voyez, qui inonde beaucoup le jeune cinéma français, par exemple, aujourd'hui, et qui... Et qui parfois en fait finit par être une, je sais pas, moi je trouve un truc de prise de pouvoir en fait un peu une mode quoi. Ouais. Et en même temps c'est normal, hein, le cinéma de toute façon est aussi un lieu où vous êtes forcément influencé par un clip, une image publicitaire que vous avez vue quelque part, une image d'un film. Vous voyez, par exemple, le film d'Almodovar. Almodovar, c'est très, très impressionnant, je trouve, dans son dernier film, dans Douleur et gloire, comment le film n'est absolument pas... j'allais dire, il est presque mais très mal éclairé. On dirait une sitcom, quoi, par moment. Quoi. Et on voit bien que c'est par résistance, en fait. Enfin, c'est pas très nouveau dans son cinéma non plus. C'est pas très nouveau, mais il a fait quand même des films qui, à un moment où je pense à Étreinte brisée, par exemple, qui était un film très très beau sur la lumière, etc. Et là, ça fait deux films, parce que même dans le film précédent, Giulietta, il y avait déjà ça. Où on voit en fait que sa manière de résister à lui, c'est un petit peu de lâcher l'affaire, j'allais dire. Ça reste. Ça au reste... niveau de la mise en scène ou au niveau Non, pas du tout au niveau de la mise en scène. Non, au niveau justement d'échapper à une espèce d'esthétique haute couture du cinéma d'auteur international. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez vu le dernier film de Sam Mendes ou pas? Non. Ouais, non, d'accord. Donc, c'est bon, intéressé d'avoir votre retour. Dans les derniers films que vous avez vus, marquants, vu que les cinéastes sont influencés par les films qu'ils voient, ben, de l'année. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a marqué positivement?
positivement. Vous en avez fait choisir d'autres, mais ce sont des films un peu plus anciens. Mais... Non, bah, dans les films français, parce que... Pas forcément, mais... Si, parlons des films français, parce qu'autrement, on a toujours l'impression qu'on dit du mal des films français. Moi, je trouve le film de François Ozon très réussi. Ah, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. C'est incroyable. Ouais, c'est parce que je vous l'ai mis dans ma liste, en fait. C'est pour ça. Mais j'en ai choisi 4 et là... Oui, il est dans le film, ouais, d'ailleurs. C'est Parnassien. Parce qu'il est, il est sorti la semaine où on était, où on tournait à Paris. Ah oui, c'est pas vous qui avez mis la. Si, j'ai choisi de le mettre, mais et ça, par exemple, je trouve que c'est un film qui est, pas sur l'image, etc., mais sur la mise en scène, qui est vraiment impressionnant. Enfin, pour moi, c'est vraiment le film français le plus réussi, parce que certainement le plus difficile à faire aussi de l'année. Et je crains malheureusement que vendredi prochain, ce soit pas vraiment lui qui sorte vainqueur, on va dire, des Césars. Mais pourtant, c'est un film vraiment impressionnant en mise en scène et en écriture. Vous êtes attentif au prix, aux remises de prix, à ce qui est primé comme tout le monde, ou vous avez du recul par rapport à ça, ou c'est important? Non, j'ai moins de recul. Je pense que j'injurie plus mon poste de télé que vous quand ça arrive. Mais c'est normal, c'est assez agaçant souvent, et là ça risque de l'être énormément cette année. Après il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Mais il y avait des bons films français pourtant cette année. Grâce à Dieu il est nommé. Mais c'est le milieu du cinéma, c'est pourtant les gens du milieu du cinéma qui votent. Ouais. Alors, est-ce que le milieu du cinéma est resté un milieu cinéphile? Ça, c'est une autre question. Oui, c'est une question. Qui est une question d'ailleurs dont on se rend compte sur les tournages, quand vous travaillez avec les gens, où y a souvent une cinéphilie qui n'est plus partagée par l'ensemble de l'équipe. Oui. Je sais pas. Bah, c'est vrai que j'aurais préféré cette année que, je sais pas, Alice Elmer soit plus nommée, que le film de Rebecca Zlotowski soit nommé plutôt que le film de Siama, ou ce genre de choses. Ça m'aurait semblé plus juste, mais voilà. Vous allez réussir à me dire de faire non, dire deux ou trois salopes. Vous allez dire du bien d'un film que j'ai beaucoup aimé. Elle n'est pas venue malheureusement. Le film de Beauvais. Non, pas le film de Beauvais. Non, mais de Zlotowski, vous n'avez pas choisi. Mais peut-être en dire quelques mots. Moi, ça m'a vraiment impressionné son film. Ouais. Une fille facile. Une fille facile, ouais. Parce que c'est un film où... On parle de lumière, on parle de couleur, on parle de... Sur la mise en scène, vraiment, elle ne lâche rien. Et elle a beaucoup d'ambition, en fait. On voit bien, en fait, que chaque séquence est toujours... elle se pose toujours, en fait, la question de la... Je sais pas comment dire ça. Comment la mise en scène pourrait nous donner un autre sens que le sens du scénario. Et je trouve que là-dessus, très honnêtement, le film m'a vraiment impressionné. En plus, il a quelque chose d'assez... je le trouve assez libre, le film, par rapport à ce qui se raconte aujourd'hui sur le féminisme, etc. Je trouve qu'elle a une manière vraiment intelligente, en fait, de s'en emparer et assez déstabilisante, certainement. Dans le choix de Zaya, etc. Et je trouve que c'est que le film, honnêtement, il a une force et une intelligence qu'on peu de films français cette année. Moi, j'adore aussi, surtout, aussi les personnages secondaires qui donnent une force et qui portent. Ma Jumelle est assez incroyable, Clotilde Courau, mais de faire jouer des seconds rôles à de très grands comédiens, je trouve que c'est tellement important, même dans l'équilibre du film. Le film, c'est vrai, il est. C'est un des films réussis, vraiment réussis en mise en scène cette année. Je crois qu'elle n'a aucune nomination en César. De toute façon, on le sait bien, les Césars n'ont quand même assez peu d'intérêt, mais ils ont toujours l'intérêt de voir ce que les gens sont contents d'aimer. Vous voyez, c'est pas tant ce qui est bien que ce que c'est pas ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils sont contents d'aimer. Et donc forcément, ça raconte aussi quelque chose sur l'industrie. En fait, les Césars racontent toujours beaucoup plus sur l'industrie du cinéma et sur l'inconscient de l'industrie du cinéma que sur la réalité, on va dire, des réussites. Sur les films à retenir ou pas. Ouais.
Donc le film de Franck Beauvais que j'ai pas pris mais que voilà qui va être sur la table, ne croyez surtout pas que je hurle. On l'a reçu il y a quelques semaines. Peut-être si vous voulez nous dire quelque chose. Ça faisait partie des films qui m'ont vraiment plu. Après c'est des films qui fonctionnent, vous voyez, comme antidote ou comme sérum, ce genre de film. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que ces films-là, ça nous... On ne pourrait plus... au bout d'un moment, en fait, il y aurait... Mais évidemment, que le cinéma français soit capable, même si c'est forcément dans un cadre d'une production minoritaire et je pense difficile, en fait, de faire advenir ce genre de film, qu'il ait autant de presse qu'un film lambda et qu'il ait la possibilité, en fait, de trouver un vrai public. Très honnêtement, c'est toujours très, très rassurant sur l'état du cinéma français dont on se plaint beaucoup, mais ce genre de film, évidemment, est rassurant, en fait. Et puis, en plus, c'est un film très réussi, donc... Donc c'est, en tant que cinéaste, c'est toujours très agréable, en fait, les films réussis. Étrangement, on pense toujours qu'on prend mal les films réussis, or c'est jamais le cas. Ce qui accable, ce qui donne envie d'arrêter et de renoncer, c'est les films ratés qui les films ratés des autres. Oui, les siens nous accablent, hein, les nôtres nous accablent déjà suffisamment comme ça. Non, mais oui, voilà, c'est les films ratés et qui sont présentés comme des films réussis. C'est toujours ça qui est assez qui met en colère. Bon, juste un mot rapide sur il y avait le coffret Virginie Thévenet. Ah bah ça, c'est parce que je les ai pas revus moi ces films là depuis. Je me souviens que La Nuit porte Jartel, c'était. À l'époque, j'avais trouvé ça tellement... parce que ce qui était bien chez Virginie Thévenet, c'est qu'on avait l'impression que tout le monde pouvait faire des films. Enfin, moi, ça me rassurait beaucoup quand je voyais ça je pense que j'avais 18-19 ans. Hein. Je rêvais de faire des films et de voir des films aussi libres, aussi désinvoltes. Très parisien aussi, qui est le film Paris aussi. Oui, voilà. Et puis avec une espèce comme ça de dire que le plaisir de faire un film était déjà suffisant pour que le film existe. En tout cas, et ça, c'est vrai que, par exemple, moi, je trouve que... Enfin, en tout cas, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance aujourd'hui. Les cinéastes solennels, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime pas tellement le portrait de la jeune fille en feu, c'est que c'est très solennel. J'ai du mal, en fait, avec cette position-là du solennel du cinéaste. Et j'ai souvenir que, chez Virginie Thévenet... Et certainement peut-être d'une manière parfois brouillonne, mais qu'il y avait quelque chose de jamais... C'est-à-dire que le cinéma était une histoire de copains entre... assez punk et rock'n'roll. Ou rock'n'roll. Un mot sur Mouchette de... Tout à fait punk et rock'n'roll aussi. non, ça c'est le genre de film parfait. Donc le film parfait existe. Non, mais c'est ça qui est fort, c'est que chez Mouchette, c'est un film parfait, alors que les plans ne sont pas du tout tous parfaits, loin de là, que le jeu n'est pas non plus parfait. Et en même temps, je pense que pour n'importe qui a vu ce film-là, il y a des... C'est des films qui ne peuvent pas, en fait, ne pas vous hanter, en fait. Et pourtant, cette jeune femme n'est pas une si jeune femme que ça, la comédienne, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de l'enfance assassinée dans Mouchette, en fait, qui peut-être n'a jamais été aussi fortement représentée que dans ce film-là. D'accord. Bon, on va mettre tout ça sur la... C'est bien d'avoir Robert Bresson et Virginie Thévenet. Oui, à côté. C'est rassurant pour le cinéma français, justement. Les projets, en parler, pas forcément. Là, je sors de répétition. En ce moment, je suis en train de travailler à la Comédie Française sur un spectacle qu'on va créer au mois d'avril. Qui est une adaptation de Proust, Le Côté de Guermande de Proust. D'accord. Et donc, c'est très particulier, c'est autre chose. Du côté du théâtre et du côté du cinéma. Et du côté du cinéma, c'est Non, après, c'est compliqué pour moi, l'après Chambre 212. Pas tant parce que j'aurais une affection particulière pour ce film ou que... Ça a souvent été le cas pour moi, mais la question du film d'après est quand même une question importante pour tous les cinéastes. Pourquoi se remettre au travail Alors, quand vous enchaînez beaucoup les films, finalement, vous avez à peine le temps de vous la poser, cette question-là. Vous êtes très vite entraîné par une écriture, une production, etc. Mais quand soudain, vous décidez de
de ne pas avoir de projet. Je trouve ça compliqué de désirer faire un film. Je devrais pas dire ce genre de choses, mais de. Surtout si il y a votre productrice qui est là. Non, bah pour les producteurs c'est encore autre chose, mais c'est aussi certainement parce que là je crois que c'est mon 12e ou 13e film et que forcément en fait de faire un 14e film c'est pas la même chose que de faire un premier ou un deuxième ou un troisième film. Donc vous, il faut quand même que vous soit vous vous dites bah je n'ai jamais tourné ça, il est le temps de le tourner. Ouais. Sauf qu'en général, quand vous l'avez pas tourné depuis 12 films, c'est que vous vous dites que vous n'êtes pas un cinéaste à la hauteur pour tourner ce que vous vouliez tourner. Ouais. Et soit se pose une autre question en fait de vouloir s'inscrire justement dans un paysage d'un cinéma français où soudain vous vous sentez peut-être un peu éloigné, étranger en fait. Mais je pense que c'est partagé par beaucoup de cinéastes. C'est-à-dire c'est pas si facile aujourd'hui d'être un cinéaste français. Parce que on partage peu de choses. Je trouve au final, on partage les acteurs. Et ça, c'est une part importante quand même. On travaille tous avec les mêmes gens. On partage les équipes techniques aussi qui sont sur les films, etc. Mais il y a quelque chose de l'identité. Voilà, c'est terrible de dire l'identité du cinéma français. J'ai l'impression d'être Nicolas Sarkozy, par exemple, l'identité nationale. Mais l'identité d'un film français aujourd'hui, elle est complexe en fait. Et moi, je vois bien que je rattache mon travail, ma réflexion en fait, à une certaine idée du cinéma français qui ne s'accorde que rarement, on va dire, avec les productions d'aujourd'hui. Et donc, par moment, en fait, ça peut vous donner l'énergie pour faire justement des films. Et vous voyez, le côté Astérix, résister, vous êtes dans votre village et vous en foutez. Ouais. Et puis, par d'autres moments, à un moment, vous vous dites. Si Netflix vous propose de faire un film. Ah non, mais moi je suis un peu. Vous pouvez faire un film sans Netflix, quoi. Non, j'irai pas faire des films avec Netflix. Je sais que je me souviens qu'au moment de Plaire, en fait, Plaire était au Festival de New York et on vous invite comme ça dans des festivals, des fois à des déjeuners. Et là, il y avait un déjeuner Netflix où il y avait deux cinéastes américains plutôt indépendants, en fait, qui en fait, allaient au micro, comme ça, on leur donnait le micro et qui disaient « Ah, Netflix m'a sauvé. Grâce à Netflix, j'ai pu faire mon film. » Autrement, qui est la réalité du cinéma de l'industrie américaine, en fait, qui laisse très, très peu de place au cinéma d'auteur, etc. Et puis à un moment, je me suis dit, bah, ils vont me donner le micro. Je fais partie des trois cinéastes invités. Bon, vous, voilà. Et puis évidemment, vous pouvez pas vous empêcher de dire, bah, moi j'ai l'impression que Netflix, c'est pas tant les pompiers que les pyromanes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, etc. Et on vous enlève très très vite le micro parce qu'évidemment, en fait, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre. Et qui même refuse d'entendre par rapport au cinéma français. C'est-à-dire, on est taxé vraiment de passéisme, on est sur un vieux système, etc. Et ils ne veulent absolument pas entendre ça. Mais moi, je pense que le cinéma français n'a rien à gagner des plateformes, vraiment. Et parce qu'on sait très très bien le genre de films après qui vont aller se faire justement à Netflix ou Amazon, ou là, ce qui va arriver avec Apple, etc. Et ça ne va pas avec l'ADN du cinéma français, qui est un cinéma d'auteur, et qui est un cinéma de cinéastes qui veulent avoir le final cut, qui sont justement, enfin, qui envisagent, en tout cas, alors on peut trouver que certains font des carrières intéressantes et d'autres non, mais en tout cas, qui envisagent leur filmographie comme une œuvre globale. Et ça ne peut pas fonctionner avec les financements, en fait, des plateformes. Donc, je me sens appartenant certainement à une des dernières générations qui est très méfiante en fait par rapport à ça. Mais et tant que je pourrais y résister, j'y résisterai. Je vois pas trop l'intérêt pour moi d'aller travailler avec Netflix. D'accord. Christophe Honoré, on va vous remercier. Ben merci à vous. Merci à vous. Donc on se retrouve vers la grande table pour puis vous pouvez échanger comme ça avec Christophe.